Que tu m'as donné rendez-vous ici à l'hôtel. Tu as mal fait alors? Non, c'est pas que tu as mal fait. C'est juste que je suis surpris. Écoute, si ça te plaît, on peut y aller. Comment ne serais-je pas à l'aise, ma chérie? Tu sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu causer en intimité. Ok, écoute Lolo, je suis une fille qui ne se donne pas facilement à un homme. Alors, quand tu m'as fait la cour, il fallait vraiment que je prenne du temps pour t'étudier. Ça veut dire quoi maintenant, ma chérie? Avec du temps, j'ai trouvé que tu peux quand même être sérieux. Ce n'est pas que je peux être sérieux. Je le suis. Je le suis profondément. Tu as su? Je suis très amoureux de toi, Bijou. Je pense à toi tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Je suis fou de toi en quelque sorte. Quoi? La patronne va me tuer. Pourquoi? Elle va me renvoyer. Pour quel problème? Elle a dit que Madou n'entre plus dans cette maison. Mais elle est entrée avec tonton Mitumba, non? Ça fait quoi? Je vais perdre mon travail. Non, n'aie pas peur. Te pour, tu as compris, non? Tonton Mitumba va te protéger. Tu comprends? Ne pleure plus. Ne pleure plus, elle. Ne pleure plus. Tonton Mitumba va te protéger. Moi aussi, je t'aime. Tu dis vrai? Eh oui, je n'ai pas voulu te dire avant, mais chaque jour qui passe, je brûle d'envie d'être dans tes bras. Oh mon Dieu, mon corps est en ébullition quand je t'attends parler ainsi. Bijou, tu me donnes l'envie de te faire l'amour. Ah, pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Si tu veux, on peut y aller. Bonjour madame. Wendolo.
Il doit être dehors. Mais qu'est-ce qu'il fait dehors? Il faut à tout prix que tu inscrives Esther aujourd'hui. Hein. Tu m'as compris? J'espère que tu m'as compris parce que à mon retour, il faut que je voie les reçus. Hein? Je veux que tu m'aides. Mais t'aider comment? Donne-moi 50 000. Je complète sa scolarité. Tiens, mangez bien cette écorce, parce que bientôt je vais lancer les hostilités. Ce marabout aura affaire à moi. Je t'avais déjà donné 100 000 francs pour inscrire cet enfant. Je t'avais dit que j'ai utilisé cet argent. Pour le moment, je n'ai que la moitié. Pardon, aide-moi. Tu manges l'argent comme les arachides. Il y a 30 000 francs tu vois de mon lit. Tu prends ça, tu inscris cet enfant. À mon retour, je vais voir les reçus. Et tu vas me rembourser, hein, parce que je t'avais donné cet argent. Ce marabout, tu auras le problème. Dans les mains, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne. Pourquoi cette chanson? Elle n'est pas bonne. Si, moi je trouve qu'elle est très bonne. Ah bon? Oui. Si on doit accepter cette chanson ici, c'est moi qui vais l'entonner. Et pourquoi? J'ai comme l'impression que tu oublies que c'est moi qui ai appris cette chanson ici. Mais attends, mais quand tu as une chanson, quelqu'un ne peut pas la dire. Attends, je suis là. Ah bon? Oui. Ouais, ma soeur, pourquoi tu aimes les problèmes comme ça, toi là? Pourquoi tu me déranges comme ça? Tu trouves que je dérange? Toi, tu trouves que j'ai des problèmes? Tu te prends même pour qui? Tu sais quoi? Tu te prends trop la tête dans cette chorale. Tu crois que tu as la plus belle voix dans cette chorale? Tu ne chantes pas mieux que moi. Toi, tu ne chantes pas mieux que moi. Et surtout, tu ne me touches pas, d'accord? Je ne suis pas ton enfant. Sinon, tu as le téléphone. Non, non, ça va. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, ça va. On se dit pas. Assieds-toi, je te prends trop la tête. Assieds-toi. Assieds-toi là. Assieds-toi. Est-ce que le véhicule là-bas ici? Ouais. Nous sommes ici à l'église. Comportez-vous, je vous en prie. Vraiment. Madame, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je voulais. Mais tu te tais, c'est pas vrai. Ouais, quand même, maman m'a donné un. Elle m'a me renvoyer.
Ouais, au travail. Bienvenue, maman. Merci. Cette fille est passée par où pour entrer ici? Ah! Donc c'est pour ça que le vigile plaît. Le vigile n'y est pour rien, maman. C'est moi qui ai fait entrer Mado dans cette maison. Ainsi, tu as osé aller à l'encontre de ma décision? Il faut comprendre que j'aime cette fille, maman. Nous nous aimons. Jamais! Je dis jamais! Il n'y a pas d'amour possible entre vous deux. Madame, dehors! Non. Reste là. Si tu tiens à ta vie, que je te trouve pas là en sortant de ma chambre. Calme-toi. Il n'y a rien. Ne te dérange pas. Ton père est allé où? Non, je ne sais qu'il voulait. Ouais. Comment Nana peut sortir sans me dire là où il va? Qu'est-ce qui te fait vomir? C'est tellement que son haricot que j'ai mangé, plein à cause de la folle. Vraiment, je ne mange plus son père haricot. Elle le fait même pas bien. Mais attends, hier je t'ai aussi vu vomir alors que tu n'as pas mangé du haricot. Non, non, maman, je t'ai dit qu'il n'y a rien. Demain, on part à l'hôpital. Maman, tu n'as pas confiance à ta fille? Demain, on va à l'hôpital. Ça peut être une maladie qui s'annonce. Mieux vaut la détecter à temps. Maman, je t'ai dit qu'il n'y a rien. Il faut me faire confiance. Tu n'as pas confiance à ta fille? Qu'est-ce que... Aïe. Sois le bienvenu. J'espère que tu as inscrit l'enfant à l'école. Mais réponds-moi au moins avant. Je veux savoir si tu as inscrit Esther à l'école, point. Je l'ai fait. Où est le reçu? Voilà ça. Mais, donc tu n'as payé que 50 000 francs? Oui. Mais je t'ai donné 100 000 francs pour inscrire cet enfant, non? Je vais payer les restes après. Le plus important est qu'elle commence les cours comme tout le monde. Donc tu me demandais 50 000 francs le matin parce que tu n'as même plus 5 francs de tout l'argent que je t'ai donné? Je n'avais même plus 5 francs. J'ai payé 50 000 alors que tu m'as donné 30 000 francs le matin. Mais mes enfants, pourquoi vous bagarrez à l'église? Pasteur, c'est elle qui me provoque toujours. Je t'ai provoqué où? Écoutez, calmez-vous. Calmez-vous. Sachez qu'on ne doit pas bagarrer dans la maison du Seigneur. Pasteur, le problème c'est que les deux se disputent la place du chanteur principal de la chorale. Mais mes enfants, vous faites tous partie de la même chorale, non? Pasteur, c'est que je chante mieux qu'elle et j'anime très bien. Si tu trouves que tu chantes mieux que moi et que tu animes bien, ça va, je te cède ma place. Vas-y, chante. Dites-moi un peu. Qui est votre chanteur principal? C'est Olive, Pasteur. Et qui l'a désigné? La chorale, Pasteur. Et tous les membres sont unanimes à cela. Unanimes où? Vous l'avez imposé. Écoute, ma fille. En démocratie, lorsque la majorité choisit quelqu'un, même si tu n'es pas d'accord, tu dois l'accepter. Voilà. Voilà, Pasteur. C'est compris? Voilà. Mais je t'avais donné 100 000 francs pour payer toute sa scolarité. Au lieu de m'apporter un reçu de 50 000. Et tu as inscrit l'enfant dans quel collège? Le collège qui est au bas fond là-bas. Ce n'est pas là où je t'ai demandé d'inscrire les enfants. C'est un mauvais collège. C'est mieux qu'elle fréquente là-bas. Puisqu'elle ne prendra pas de taxi pour y aller.
Pourquoi tu n'as pas inscrit Dodo dans le même collège? Tu veux que j'inscrive ma fille où quand il pleut, il y a inondation partout? Donc c'est Esther qui mérite ce genre de collège? Eh mon Dieu, tu m'as donné quel genre de femme comme ça? Retenez que à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de bagarre ni de dispute dans la maison du Seigneur. C'est un lieu sacré. Faites-vous la paix. Enlacez-vous. Bien. Comme vous avez offenser le Seigneur, vous devez lui demander pardon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Hé mon frère! Ne me dis pas que cette IA finalement n'aura ton rendez-vous. Oui, et tiens-toi tranquille. C'est elle-même qui m'a donné rendez-vous à l'hôtel. Donc, vous étiez à l'hôtel? Oui. Ne me dis pas que vous avez... Bien sûr, on a fait. Mon frère, mais je t'avais dit que cette fille t'aimait bien. Ouais. Je suis heureux. Je suis aux anges. Cette fille de bijoux, je l'aime tellement, tellement. Dolo, tu as fait fort. Je suis heureux, ma soeur. Tu as fait fort. Tu ne peux pas savoir. Maman. Hey, c'est bien ça. Maman. Enfin. Mitoumaël. Il a l'accompagné, Mado. Pourquoi l'a-t-il amené? Je devais prouver à cette fille qu'on ne manque pas de respect. Qu'on ne me provoque pas. Cette fille est courageuse, hein. Avoir le courage de ramener ses pieds ici. Je n'accepterai jamais qu'on traîne l'honneur de cette famille dans la boue. Surtout pas, maman. Surtout pas. Bien. Je suis content que vous soyez toutes là. Il faut qu'on couche. Oui, grand frère, on t'écoute. J'espère que ce n'est pas pour parler de cette effrontée de Mado. Justement, c'est d'elle qu'on veut parler. Je ne veux ni voir cette fille ici, ni parler d'elle dans cette maison. Voilà. Je vais montrer à ce marabout qu'on ne tente pas le grand Saboulou. Ne bouge pas là, hein. Mon fils. Là. Mets ton pied dessus. Il faut que ce marabout là comprenne que Dieu nous a donné le pouvoir mystique pour aider les gens et non pour détruire. Et si tu vois n'importe quoi, ne bouge pas. Hein? Ne bouge pas. Ne crains rien. Tu es avec moi. Hein? Vous devez comprendre que j'aime cette fille. Je l'aime profondément et je ne peux pas vivre sans elle. Il faut respecter la mémoire de ton père. Ils ont tué ton propre papa, tu comprends? Maman, cette fille m'a sauvé la vie. Je pouvais mourir en prison si elle n'avait pas dépensé toute sa fortune pour me faire libérer. Ce qu'on était incapable de faire. Sois reconnaissant quand même. Jamais. Je dis jamais. Elle a donné cet argent, c'était pour racheter l'acte posé par son papa. On ne peut pas racheter, elle meurt. C'était pas celui de mon père, jamais. Je ne veux plus voir cette fille ici, un point vrai. Bien. Moi, j'aime cette fille. Je ne peux pas vivre sans elle. Comme vous ne voulez pas la voir dans cette maison, alors je déménage. Je ne vis plus ici.
Kayum. Kayo. Singayowa. Apone mene mene kama kuma 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 kuma. Somebody! Some! Yakaya! Réfléchis, l'ennemi est près de nous.